Bonjour tout le monde. Juste me dire un petit allô si vous m'entendez bien, ceux qui viennent de se joindre à nous. Bonjour Brenda. Salut Maxime. Bonjour Mireille. Bon matin Manon. Donc, je vais attendre un petit peu. Il nous reste une personne à arriver sur les personnes inscrites. J'espère pour tout le monde que ça se passe bien ce matin. Bonjour Simone. Bonjour Véronique. Donc, il y a des noms que je reconnais de la dernière session que j'ai enseignée il y a 2 semaines. Ah, bon, tout le monde est là. Excellent. Bon matin à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Étienne David Fortin, spécialiste de la promotion de la santé. Ce matin, je vais être le facilitateur en charge de votre session « Gérer les moments de colère ». Et je vais avoir avec moi, vous la verrez pas, mais elle va être avec nous, Valérie, qui est ma collègue de Saint-Jean, qui va m'assister dans la présentation. On va s'occuper surtout du chat et des questions. Juste avant qu'on commence, je vais faire les petits rappels d'usage pour ceux qui sont à leur première présentation avec nous. Effectivement, la présentation que vous allez voir, c'est la propriété intellectuelle du ministère de la Défense nationale. Toute reproduction, retransmission des diapositives contenues dans cette présentation est strictement interdite. Certains sujets abordés dans le séminaire peuvent être de nature sensible, donc pas appropriés pour les enfants. On garde quand même la discrétion des parents, donc à vous de voir si vos enfants peuvent assister ou pas à la présentation. Bien évidemment, encore, tout ce qui va être discuté pendant la présentation ne doit pas être discuté à l'extérieur de la session. Si les gens veulent bien partager, vous pouvez le faire via le chat. Et encore là, ça demeure extrêmement professionnel. La présentation va être enregistrée. Moi, je n'autorise pas présentement les microphones ou les vidéos pour que vous me parliez. Mais vous pouvez utiliser le chat, il n'y a pas de problème. On va vous répondre via la séance de chat. Je pourrais allumer les micros vers la fin de la session pour ceux qui ont peut-être plus de questions, qui veulent qu'on se parle de vive voix. D'emblée, on va commencer avec une première question. Donc, Valérie, si tu peux mettre la première question pour que les gens puissent répondre, s'il te plaît. Merci. Donc, je vais vous demander de répondre à la question. Si vous êtes un membre actif des forces, donc réserve ou régulier, un vétéran, un membre de la famille d'un militaire, un personnel civil ou autre personne qui a entendu parler de la session et qui veut participer. Excellent. Donc, je vois que c'est bien réparti. Il nous reste peut-être 2 personnes à répondre. Mais inquiétez-vous pas si jamais ça ne marche pas pour l'instant, vous pourrez répondre un peu plus tard. Je vais faire un test ce matin pour commencer. Donc, j'essaie une nouvelle fonction de Demio. Je vais vous présenter un court vidéo pour briser la glace. Ça ne sera pas très long. J'espère que ça va bien fonctionner. Ça fonctionnait bien ce matin.
Je m'excuse pour l'anglais, là, mais je pense que ça se comprend bien. I'm sorry. See? Like that. Oui, effectivement, on voit la belle escalade dans le vidéo. Donc, c'est un peu les concepts qu'on va voir aujourd'hui. Donc, l'exemple est très marqué. Oui. Oh. J'ai entendu, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Juste vous rappeler aussi que cet atelier-là, bien qu'il est aujourd'hui, il fait partie d'une séquence de d'autres formations, d'autres webinaires qui vont donner à tous les jeudis à 10h, donc en même temps. Donc, vous pouvez voir la liste ici. Donc, si vous appréciez, bien sûr, vous pouvez vous inscrire au prochain. Ça va vous donner encore plus d'outils, plus d'informations pour, bien sûr, mieux gérer la colère. Évidemment, n'oubliez pas, ça ne remplace pas une thérapie. Donc, s'il y a des problématiques, toujours consulter les ressources d'aide. C'est vraiment à titre informatif. Donc, le but du cours aujourd'hui, c'est vraiment de mieux comprendre en quoi consiste la colère, avoir des bonnes habiletés d'adaptation pour justement être en mesure de prévenir ou mieux gérer des situations dans lesquelles vous pourriez ressentir de la colère. Donc, première partie, on va vraiment être peut-être plus technique, si on peut le dire ainsi. L'objectif est vraiment de définir
des concepts reliés à la colère. Donc, le premier, c'est définir ce qu'est la colère, l'agressivité, l'affirmation de soi et la soumission. Par la suite, on va parler des aspects constructifs et destructifs de la colère et par la suite, en comprendre les effets qu'elle peut avoir sur notre santé. Donc, je vais vous d'emblée vous demander de me définir dans vos mots, pour vous, le mot « colère », ça veut dire quoi? Donc, sur le chat, vous pouvez nous écrire comment vous définissez personnellement la colère. Un sentiment négatif. OK. Pas satisfait d'une situation, c'est une émotion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se tenter? Frustration qui nous ronge. OK. Un sentiment négatif très vif, ou vif, excusez. Une escalade d'émotion, effectivement, la vidéo nous en démontre bien. OK, excellent. Puis, comment feriez-vous la différence entre la colère et l'agressivité? Donc, votre définition un peu plus de l'agressivité pour voir comment on le définit ou on le sépare de la colère. L'agressivité, c'est plus le comportement. Okay. Donc, tantôt, on parlait de la colère étant une émotion et l'agressivité, un comportement. Donc, colère égale interne, agressivité égale manière de s'exprimer, la colère naturelle. L'agressivité, c'est en réaction. Effectivement, l'agressivité, on va l'associer beaucoup plus à des gestes, à une expression peut-être plus de la colère, effectivement. Agressivité et de plus haute tension. OK. Effectivement, Samuel. Très bien. Puis, si on va justement dans l'affirmation de soi, c'est quoi le lien que vous feriez avec l'affirmation de soi, la colère, dans ce niveau-là? Donc, c'est pour vous, ça veut dire quoi? Pourquoi on en parle dans le cours de gestion de la colère? Communiquer ses effets d'âme, effectivement. Donc, la colère, l'agressivité, c'est des moyens de s'affirmer. C'est important pour canaliser la colère, effectivement. OK, donc, effectivement, des gens ne sont pas capables de s'exprimer sans hausser le ton. Donc, justement, c'est important d'être capable de bien s'affirmer pour bien contrôler. Excellent. Et finalement, pour vous, la soumission. Personne qui va justement se soumettre dans l'aspect de la colère. Qu'est-ce que vous voyez ça? Effectivement, dans la servitude, on va parler de exprimer son point de vue. OK. Donc, peut-être plus en détail pour les définitions. Comme j'ai dit, vous pouvez vous garder un papier crayon. Ça se peut qu'on ait besoin d'écrire pendant la présentation, mais toutes les informations peuvent être vues. Les vidéos vont être disponibles, comme je l'ai expliqué plus tôt. Donc, effectivement, vous aviez raison. La colère, c'est une émotion qui est reliée à une insatisfaction réelle ou perçue. Donc, on peut percevoir une insatisfaction face à une situation
qui va faire monter l'émotion de la colère qui vient en nous. Comme on voit ici, c'est une état qui est très passionnel. Mais en même temps, ça reste une émotion comme la joie, la peur, le dégoût. Pour ceux qui ont vu le film Vice Versa, il les explique assez bien les émotions de base. Donc, effectivement, la colère, vous aviez raison, c'est vraiment l'émotion. L'agressivité, c'est le comportement qui vise à faire du mal. Donc, là, ici, on est vraiment dans un objectif de blesser une personne. Ça peut être soit via un geste ou bien sûr via nos paroles qu'on va avoir. Et ça peut être vu justement la phrase de la deuxième partie où qu'on parle d'un comportement d'aveuglement volontaire. C'est que la personne qui va avoir recours à l'agressivité peut se sentir justifiée parce qu'il a perçu qu'il y a une insatisfaction dans la situation qu'il vit et que c'était justifié de répondre de façon agressive pour reprendre le contrôle de la situation. Donc, ici, la personne s'est vraiment validée ou justifiée par le déroulement de la situation de pouvoir utiliser l'agressivité dans la situation comme réponse au mode d'expression de sa colère. L'assertivité ou justement l'affirmation de soi, ben c'est d'être capable, comme vous l'avez dit, d'exprimer son point de vue et ses désirs en respectant autrui. Donc, idéalement, c'est la réponse qu'on va rechercher quand on ressent la colère. C'est d'être capable de s'exprimer. C'est vraiment d'être capable de s'exprimer son vécu et ses désirs en respectant les autres. Donc, être capable de bien identifier le besoin qui est à combler, qui cause la colère, mais sans nécessairement avoir recours à l'agressivité à ce niveau-là. Donc, effectivement, on ne veut pas confondre les deux. Je peux m'exprimer, m'affirmer sans être agressif envers l'autre personne. Et on va voir au courant de la présentation et des semaines, justement, comment bien y arriver. Ce n'est pas toujours facile, mais il y a plusieurs concepts qui peuvent venir nous aider à ce niveau-là. Puis peut-être, justement, une petite question par rapport à s'affirmer. Pourquoi vous pensez que beaucoup de gens ont de la difficulté à affirmer leurs besoins? Ou leur manque, ou l'état de frustration, de colère qu'ils peuvent ressentir. Est-ce que vous avez des exemples où justement vous aviez eu de la difficulté à affirmer, effectivement, le jugement des autres? Souvent, il y a des gens qui ont peur de blesser, effectivement. Difficulté de comprendre ses propres émotions, donc ça va être encore plus difficile de l'exprimer si on ne la comprend pas bien, effectivement. Peur d'empirer la situation, peur des réactions des autres, effectivement. Souvent, on ne veut pas être on ne veut pas amener excusez l'anglicisme, le spotlight sur nous. Si on s'affirme, les gens peuvent avoir peur que, justement, si la personne qui est en état de colère, agressivité, se focus sur eux et que ça l'empire et que ça l'aggrave la situation. Donc, les gens peuvent faire le choix, dans ce cas-là, de se soumettre, donc de tomber dans la soumission, dans la passivité de la situation. C'est-à-dire, ben, je vais le laisser passer. La colère, effectivement, on ne veut pas escalader la situation comme on a vu dans la vidéo. Mais on veut justement, les personnes vont tomber dans la soumission. Donc, ce qui n'est pas nécessairement non plus toujours la bonne solution. Donc, une fois qu'on a compris ces concepts-là, il faut vraiment être capable de comprendre pourquoi on se met en colère.
Et ça, on en a parlé beaucoup. Et je vais peut-être personnaliser un peu la situation pour vous. C'est quoi présentement, là, dans peut-être la situation qu'on vit qui peut faire en sorte que ça, vous ayez le sentiment de colère qui monte en vous? Donc, vous avez des exemples, mais est-ce qu'il y en a d'autres éléments qui ne sont pas écrits ici qui pourraient amener une personne à vivre de la colère? Effectivement, le comportement des autres. On va avoir des bons exemples plus tard à analyser. Le sentiment d'impuissance. Je pense présentement, celui-là, on le vit beaucoup où qu'on perd le contrôle de la situation. Effectivement. Oh. Oui, effectivement, quand on vit des problèmes techniques. Vu qu'on est en télétravail, ça peut causer certaines frustrations. On va voir dans la deuxième partie, on va associer justement avec le stress comment ça a le lien avec la colère. Mais comme vous avez pu lire, ben c'est ça. C'est quand on va se sentir menacé, bien sûr, nos attentes sont pas été satisfaites. Encore là, on a un bon exemple à ce niveau-là. Oh. J'ai une vidéo qui vient de partir. Ou justement parce qu'on est victime d'une une attaque personnelle. Je viens de voir Manon aussi. Effectivement, conciliation, vie personnelle et vie professionnelle, c'est très difficile et je peux comprendre beaucoup avec 5 enfants à la maison. Ça devient difficile de tracer une ligne et de bien expliquer aux enfants quand on est au travail et quand on est disponible pour les aider. Donc, effectivement. Ou encore plus, effectivement. On rajoute les éléments de frustration à ce niveau-là. Le problème de la colère ou quand ça devient un problème, ben c'est quand ça devient notre première réaction face à des situations ou à des personnes. Vous pouvez vous imaginer, il y a souvent, on a des personnes dans notre entourage qu'on peut pas vraiment expliquer, mais qui savent nous déclencher ce sentiment-là de colère. Donc, on va dire, they know all my buttons. Ils sont capables de peser ces boutons pour faire monter en nous cette agressivité-là ou cette colère-là ou certaines situations à laquelle on est confronté. On ne sait pas pourquoi dans cette situation-là, mais évidemment, si on la vit, on va avoir recours à la colère. Et ce qu'on veut, ben, c'est justement, il ne faut pas tomber soit dans la soumission, dans l'agressivité pour répondre à ces situations-là. Et bien sûr, comme n'importe quoi, quand elle est trop intense et elle dure trop longtemps, ben on va le voir plus tard, il y a des impacts négatifs sur la santé. Peut-être qu'on pourrait y aller avec ça. Je vais voir avant de présenter la diapositive. C'est quoi les représentations physiques ou sur la santé qu'une personne peut vivre quand elle expérimente la colère pour une longue période de temps, selon vous? Effectivement, on peut tomber en dépression, en anxiété, de l'impatience, maladie cardiaque. Effectivement, il y a beaucoup de liens dans la littérature entre les deux. Stress, épuisement, manque de motivation, manque de sommeil. Effectivement, quand on est après ruminé d'une situation, ça va venir affecter notre sommeil, c'est sûr. Problème de digestion, boule dans l'estomac, effectivement. Surtout les gens qui vont tomber en soumission vont refouler beaucoup. Leurs émotions ne vont pas se permettre de les vivre. On ne se sent pas en paix, effectivement. Surconsommation d'alcool, effectivement. Là, on va se sentir très tendu, donc les gens vont peut-être avoir recours à
des méthodes pour essayer de trouver un état de relaxation, effectivement. Donc, on va voir justement, c'est un problème quand, pour nous, on en vit les tensions, les problématiques, comme vous avez mentionné, et que ça vient affecter notre capacité à garder des relations avec certaines personnes. Donc, quand on commence à faire le choix de devoir couper des gens ou les gens commencent à nous quitter parce qu'on est trop souvent en colère, c'est là justement qu'on comprend que ça devient un problème. Mais il y a quand même une fonction constructive de la colère. Parce que si cette émotion-là n'existerait pas, ça aurait peut-être diminué certaines capacités de survie de l'être humain. Donc, justement, l'objectif de la colère, ben, c'est de nous préserver dans des situations de frustration qu'on va vivre ou d'injustice. Ça va venir justement mobiliser nos ressources psychologiques, physiologiques pour régler le problème de cette frustration-là ou de cette injustice-là qu'on va vivre. Ça va venir aussi nous identifier les besoins pour protéger son estime de soi. Donc, il faut vraiment être en mesure de bien l'utiliser. Est-ce que vous avez des exemples d'une personne qui aurait bien utilisé justement sa colère de façon positive? Je me répète un peu, là. Faire le grand ménage du printemps. Martin Luther King, effectivement. Hulk. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher cette énergie-là que la colère va apporter, puis de le transformer dans quelque chose de positif. On peut le voir aussi dans le monde des athlètes où que les gens vont être bien aussi capables d'utiliser cette émotion-là pour mieux performer. Et ben là, celui-là, on en a parlé quand même beaucoup, fait que je vais passer plus vite sur cette slide-là. Effet sur la santé physique et mentale, ben effectivement, on l'a vu. Ça peut venir affecter le système immunitaire. Cholestérol, on en a parlé, donc les maladies cardiovasculaires peuvent en être affectées aussi. Ça va augmenter beaucoup des douleurs chroniques. Donc, on va parler aussi beaucoup de tensions musculaires qui vont être associées au niveau de la colère. Et bien sûr, si on décide d'avoir de l'agressivité, d'avoir des gestes physiques, comme certaines personnes vont taper dans un mur. Il peut y avoir justement risque de blessure chez une autre personne ou chez soi-même. Et bien sûr, ça va augmenter le risque d'anxiété ou de dépression parce que comme on va le voir plus tard, il y a une phase où on va réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait, puis on peut amener à avoir peut-être des effets de dépression suite à l'utilisation de la colère de façon négative. Pour la première partie, est-ce que vous aviez des questions? Donc, juste un peu plus technique, on définissait beaucoup la colère, qu'est-ce que ça en est. Mais ça nous amène vraiment à la deuxième partie, faire le lien justement avec la colère, le stress et bien sûr la force mentale. C'est un terme que vous avez entendu, j'en suis persuadé, à plusieurs reprises en milieu de travail et encore plus depuis le confinement. Donc, on fait beaucoup appel à notre capacité mentale, à notre capacité d'adaptation pour bien réagir dans ces situations-là. Donc, justement, on va expliquer le processus de mesure du stress, revoir rapidement réaction, combat, fuite, immobilité, donc fight, flight and freeze, concept de capacités cognitives et comment on l'applique à la colère. Et finalement, bon, on va parler de la montagne de la colère
toute l'idée de bien la comprendre, de comprendre tous les mécanismes pour par la suite, si on est confronté aux situations, de pouvoir trouver le bon moment pour désamorcer cette colère-là. Donc, encore, je vais y aller très rapidement parce que l'objectif n'étant pas faire un cours de stress, mais juste à titre de rappel, ben le stress, c'est vraiment un état, un sentiment éprouvé lorsqu'une personne ressent que les demandes dépassent les ressources personnelles et sociales qu'elle peut mobiliser. Donc, la demande de la situation est plus grande que vos capacités de gérer la situation. Facteur de stress, ben c'est un événement ou une situation, encore là, j'ai eu une petite erreur, c'est pratiquement le même qui vient se rajouter, mais c'est dans le fond, c'est encore là, c'est quand la situation dépasse notre capacité à le gérer. Force mentale, ben encore là, ça, je pense que vous en avez entendu beaucoup parler. On parle ici de la capacité de rebondir. Tous les exemples que vous avez mentionnés, Mandela, Gandhi, Martin Luther King, Greta, effectivement, c'est des gens que rebondissent beaucoup dans l'adversité, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est être capable de se relever quand une situation n'est pas facile. Donc, encore là, comme on le voit à chaque jour, le fait que vous êtes ici en prouve beaucoup que vous avez une bonne force mentale. On est capable de tomber sous nos pieds, avancer, continuer à travailler et bien sûr, à continuer à s'éduquer, même en situation de confinement. Donc, on fait le mieux qu'on peut avec la situation qui est présente pour nous. Donc, la mesure du stress, on va parler ici de trois phases. La première, ben c'est évident, c'est on vit l'événement et ça peut être soit causé par un événement extérieur ou intérieur. Donc, il y a les choses qu'on n'a pas de contrôle, donc les événements, les choses, les personnes autour de nous peuvent amener le stress et nos pensées internes. Nos peurs, nos inquiétudes, effectivement, la colère. Donc ça, ici, peut-être qu'on a un plus grand contrôle sur cet aspect-là que sur les événements en soi. Par la suite, la deuxième mesure, ben, c'est le filtre cognitif. On vit la situation. Par la suite, ben, une fois qu'on a identifié, ça va nous amener la capacité de savoir comment bien réagir. Et si on sent qu'on est en contrôle, c'est une situation auquel on a déjà été confronté, beaucoup plus de chances qu'on puisse réagir positivement à la situation. Donc, la réponse va toute venir ici de l'interprétation que vous allez en faire. Donc, comme on voit ici, une situation exemple, on tombe en quarantaine pour le COVID. Donc, effectivement, ici, on a peu de contrôle. C'est vraiment des facteurs de stress externes qui viennent nous voir. Par la suite, les gens ben, vont avoir tous les filtres mentaux qui vont s'impliquer. OK, qu'est-ce qui a déjà été comparable? Je pense qu'on a eu très peu d'exemples que aussi longtemps on a été exposé à une situation dangereuse à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va en faire par la suite? Ben, c'est là que si on l'interprète de mauvaise façon, on a de la difficulté à gérer le stress que nous apporte cette nouvelle réalité-là, la réponse de la colère peut venir. Parce que souvent, quand on n'a pas le contrôle sur la situation, notre impuissance face à celle-ci ben, augmente ce sentiment-là de frustration, de colère chez les gens. Donc, encore là, il va falloir venir faire un bon travail au niveau des filtres mentaux. Et suite à la situation, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, malheureusement, les situations, ben est-ce qu'on peut combattre la situation, fuir, s'immobiliser face à la menace à laquelle on vit présentement?
pense qu'on fait du mieux, on combat du mieux qu'on peut en lavant nos mains, en gardant une bonne distanciation sociale. Donc, c'est le combat comme on peut le mener aujourd'hui. Dans certaines autres situations, ben effectivement, on va voir une poussée d'adrénaline. C'est surtout un modèle qu'on expliquait à l'époque. Si on faisait face à un ours ou un mammouth, ben on devait réagir rapidement. Donc, le corps s'adaptait, mobilisait l'énergie nécessaire et l'adrénaline, la cortisol venait jouer un rôle très important pour venir combattre un mammouth ou fuir du mammouth à ce niveau-là. Idéalement, je pense, dans cette situation-là, l'immobilité n'était peut-être pas la meilleure solution pour survivre. Donc, justement, on voit une augmentation de la puissance, de la force d'empathie pour les autres. Le sentiment de vulnérabilité peut diminuer vu qu'on se sent en pleine capacité de nos moyens dans certains cas. C'est à l'inverse, quand on immobilise, ben c'est peut-être que justement, on ne sent pas que l'énergie va nous aider à battre la situation. Donc, on ne peut pas la combattre. On n'est pas familier avec la situation. On n'est pas préparé. Donc, ça peut facilement venir que ça dépasse notre capacité à répondre. Donc, si vous avez oui, effectivement, le lâcher prise aussi. C'est ce qu'on veut présentement dans la situation. Faut lâcher prise de ces stresseurs-là et focusser sur qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, une petite activité pour vous. J'aimerais que vous preniez le temps d'imaginer que vous êtes dans une situation qui vous met en colère. Comment votre corps réagit juste en y pensant? Est-ce que vous notez déjà des changements au niveau de votre corps? Juste à penser à cette situation-là qui vous mettra en colère. Tension musculaire, effectivement. Je vais vous aider un peu ici. Vous avez des exemples de sensations physiques qu'on peut ressentir ici. On peut en sélectionner quelques-uns, mais je vois ici aussi sur le chat, la palpitation, fébrilité, ça, à l'intérieur, ça bouille, effectivement, ça, on va l'entendre beaucoup. Maux de tête, effectivement, ça peut venir affecter beaucoup les gens, surtout si on fait beaucoup de tension musculaire au niveau du cou, ça vient se crisper à ce niveau-là, ça peut affecter les maux de tête, effectivement. Donc, encore là, l'idée, re-bienvenue, Brenda, ton Internet nous avait abandonné. OK. Donc, encore là, ça aussi, ça peut être un bon tableau à conserver parce qu'on commence à reconnaître ces signes-là au niveau du corps, mais c'est le temps justement de peut-être prendre les mesures, les moyens pour désamorcer la situation ou d'utiliser la colère à bon escient. D'où justement le modèle des capacités cognitives. Donc ici, c'est vraiment pour faire le lien que tout est interrelié. Donc, comme on l'expliquait plus tôt, on va vivre une situation qui va déclencher des pensées chez la personne. Comme vous avez expliqué, juste le fait d'y penser déclenche des sensations physiques qui va amener la sensation de colère. Donc, effectivement, présentement, vous m'écoutez parler, j'ose espérer que c'est pas moi qui vous met en colère. C'est vraiment juste le fait qu'on y a pensé et ça l'a amené cette émotion-là, qui va amener un comportement qui va lui-même venir affecter la situation. Donc, on va un peu justement décortiquer la situation suivante, puis on va voir ensemble les différentes étapes.
Donc, je vais vous le lire, vous pouvez le lire en même temps que moi. Le fils de Joe, Matthew, devait rentrer à la maison en voiture il y a 2 heures. Joe a besoin de la voiture pour aller à la banque avant qu'elle ferme. Matthew n'a pas téléphoné à son père pour lui dire qu'il serait en retard. Joe faisait les 100 pas dans la maison, dans le salon. Il était inquiet que Matthew ait eu un accident. Cela le rendait malade. Il serrait et desserrait les poings. Dès que Matthew est arrivé, Joe est sorti de la maison fâché, en criant « sale ingrat, tu savais que je devais me rendre à la banque, alors pourquoi tu es arrivé en retard? Attends que je revienne. » Joe a mis la voiture en marche arrière et a fait crisser les pneus. Donc, si on revient à notre tableau, c'est quoi donc la situation? Joe doit aller à la banque, son fils est en retard. C'est quoi les pensées que Joe aurait eues quand son fils n'est pas arrivé à l'heure? Effectivement, il dit qu'il a fait exprès. Effectivement, son fils est arrivé. Il y a eu des inquiétudes. Effectivement, il a eu peur que son fils ait eu un accident. Donc là, son stress a augmenté face à cette inquiétude-là. Donc, c'est quoi les réactions physiques qu'il y a eu par la suite? Si on revient à notre tableau, sensation physique. Comment physiquement il a réagi face aux pensées qu'il avait, ses inquiétudes? Il a fait les 100 pas, effectivement. Il y a aussi des sentiments de nausée où ça le rendait malade. Il a serré, desserré les poings. Effectivement. Donc, ça a été ses réactions. Puis, dès que les émotions qui ont commencé à ressentir, bien, c'est justement l'inquiétude, la colère quand son garçon est arrivé. Dans la situation, ça a été l'émotion. Effectivement, il a crié sur son garçon dès qu'il l'avait arrivé, puis que tout, il était en bonne santé, il était juste en retard. Là, ça l'a vraiment déclenché le sentiment, l'émotion de colère. Et sa réaction, ça a été de crier, effectivement. Et il est parti en trombe de la maison. Donc, il a fait crisser les pneus de sa voiture. Qu'est-ce qu'il va penser qu'il va arriver quand il va revenir à la maison? Parce qu'on sait que Joe est parti à la banque. Effectivement, Joe Matthew pourrait ressentir de la culpabilité. Mais si on se concentre sur Joe, qui part, là, il part en colère de la situation. Pour être plus calme, effectivement, où il pourrait y avoir un escalade où il va sermonner son garçon, effectivement, c'est une possibilité. Ça dépend de sa personnalité, il pourrait être passif. Effectivement, tu sais, dans le fond, s'il prend le temps, il s'en va à la banque, il pourrait juste simplement rationaliser la situation. Il a eu peur que son garçon ait un accident. Finalement, il revient, il est en bonne santé, il est en retard, c'était pas correct, mais dans le fond, c'est pas mal moins pire. Il peut s'excuser, effectivement, s'il reconnaît ses torts. Donc là, on l'espère effectivement qu'il va prendre le temps de l'écouter dans les deux cas. Donc, on veut que les gens puissent pouvoir s'asseoir. Et c'est pour ça le temps de,
de recul peut être très bénéfique quand on ressent la colère. Donc, au niveau de la fonction de la colère, donc on dit c'est justement c'est une émotion naturelle et normale, à même titre que le bonheur, la tristesse, la peur. Et il faut vraiment reconnaître ses points positifs parce que ça l'aide beaucoup de gens à surmonter des situations pas faciles et ça va vraiment les aider à surmonter à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des exemples justement de ce que peut faire la colère? Parce qu'on en a déjà donné beaucoup. Mais de façon positive, peut-être des exemples personnels que vous avez vécu de ce que la colère vous a permis de faire. Finir par dire le fond de sa pensée, effectivement. Construire quelque chose. Beaucoup de gens vont reprendre cette énergie-là, effectivement, pour bâtir, construire. Des artistes aussi vont réutiliser pour créer des situations, des chansons, des œuvres d'art, effectivement. Bons exemples. Donc, là ici, on renverse la situation. Donc là, on est plus dans les problématiques négatives. Donc, on revient un petit retour. Le comportement de l'adoption de comportements agressifs, c'est là où on ne veut pas en venir. L'agressivité a eu son rôle dans notre évolution, mais aujourd'hui, en 2020, elle n'a peut-être plus autant sa place. On ne peut plus régler les injustices qu'on a vécues face à un voisin ou un autre être vivant par la violence. On ne peut plus prendre notre bâton, aller taper sa tête de l'autre pour régler l'injustice qu'on a vécue à ce niveau-là. Donc, un peu, on avait eu l'exemple de Hulk plus tôt, se mettre en colère, tout détruire pour combattre l'injustice à laquelle on va vivre. C'est peut-être plus le moyen qu'on doit choisir aujourd'hui. Ça va amener aussi beaucoup de confusion, de sentiments de détresse, peur et déception. Donc ça aussi, tant chez la personne qui va vivre ou sur laquelle on va jeter notre colère, notre agressivité, que nous-mêmes par la suite. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, la montagne de la colère. Je vais juste peut-être agrandir un peu l'écran. De ma caméra. On a vraiment ici la zone de mobilisation. Donc, on va vivre un événement et le corps va se préparer à réagir face à la colère qu'on va vivre jusqu'à un point où que justement, on va prendre action sur la situation. Ici, je vais prendre peut-être plus un modèle où la personne a choisi d'utiliser l'agressivité dans la situation. Parce que dans le fond, la personne se prépare vraiment à réagir fortement à l'injustice, au sentiment qu'elle a vécu. Le corps s'est tout mobilisé, l'adrénaline a été relâchée. Et là, la personne crie après une autre personne, et par la suite, on voit pas bien l'image. Je sais pas si... J'essaie de voir. On va essayer peut-être de trouver une façon pour la partager avec tout le monde. Je sais pas si on est capable de faire un print screen. Ouais, effectivement... Mais dans le fond, c'est juste pour montrer qu'avec le temps, ben par la suite, quand le retour au calme se fait,
c'est là que aussi toutes les pensées vont nous envahir. Donc, pourquoi j'ai crié, par exemple, comme si on reprend la situation de Joe, j'ai crié après mon garçon comme ça. Donc là, on a parlé tout à l'heure, la culpabilité va s'emparer la situation. Mais dans le fond, justement, on a la phase de déclenchement. Il va y avoir une dispute, une attaque physique, justement, qu'on va vivre. Vous sentez menacé au niveau émotionnel, psychologique, physique. Donc, c'est vraiment la première phase. Donc là, on est à l'évaluation de la situation. On se prépare à relever le défi. Et là, c'est l'intensification. Donc là, justement, on tombe dans la zone de crise. Donc là, on a identifié que ça vient vraiment atteindre notre bien-être, ça vient affecter notre ego, ça nous menace dans la situation. Donc là, le corps est tout mobilisé et on choisit d'agir. Donc là, on est dans la phase de crise. Donc là, on prend vraiment, on combat, on fuit ou on fige dans la situation. On devient immobile. Donc, c'est là justement les gens qui vont choisir l'agressivité ou simplement la soumission face à la situation pour des raisons qui leur est bien à eux. Donc là, le corps, comme on dit, est maximisé. Les hormones sont bien déclenchées chez la personne, sont dans le corps de la personne, prêts pour la réaction. Dans cette phase-là, ben, vous avez déjà vu des gens en colère, ils sont plus en mesure d'écouter. Ils sont en mesure d'agir à ce niveau-là. Donc, même si l'autre personne essaierait, si on revient à Matthew, qui essaierait de justifier à son père son retard, probablement que Joe n'est pas en mesure d'écouter à ce moment-là son fils et faire preuve d'empathie sur la situation et bien comprendre son point de vue. Et c'est la phase d'apaisement. Donc, c'est ce qu'on espère qui arrive pendant que son père va à la banque. Donc là, le corps, justement, commence à récupérer. Le jugement commence à revenir. Donc, effectivement, là, la personne va peut-être être plus apte à écouter l'autre personne, le point de vue de l'autre personne pour bien comprendre pourquoi Matthew a été en retard. Et justement, situation, si on a été dans une situation qui est venue nous chercher beaucoup, qu'on s'est senti très émotionnellement impliqué, ben c'est important peut-être pas de retourner tout de suite. Et c'est là peut-être que présentement, ça peut être difficile pour certaines personnes de gérer leur colère parce qu'on n'a plus vraiment de place où aller s'éloigner. Heureusement, c'est encore possible d'aller prendre des marches, sortir, faire une petite marche puis revenir. Donc, ça peut nous donner suffisamment le temps de décompresser pour mieux écouter. Mais pour certaines personnes, c'est peut-être pas aussi facile de sortir des situations présentement. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour arriver à prendre ce recul-là dans la situation qu'on a. Et va venir la phase de dépression. Donc là, le corps se sent plus fatigué parce qu'effectivement, là, on a mobilisé toutes les forces, le corps pour bien réagir face à la situation. Et plus qu'on a identifié ça comme étant une menace, une atteinte à notre égard, comme on peut voir dans la situation, Joe pourrait voir aussi ben, que son fils lui manque totalement de respect, pourrait faire accélérer un peu ce sentiment-là chez Joe. Donc, à son retour au calme, ben, s'il s'est beaucoup mobilisé, il a été très crispé pendant qu'il conduisait la voiture, ça se peut justement, le sentiment de fatigue, retour à la conscience, là, on va revoir, on va faire un petit postpartum de ce qu'on a fait. Et c'est là peut-être qu'on va évoluer. J'ai peut-être réagi trop fort à la situation. Ou à l'inverse, tu vas voir des gens qui ont peut-être choisi la soumission ou se sont refermés sur eux. Ils vont dire, ben, sais-tu quoi, la prochaine fois, je me laisserai pas faire. Et donc là, ils vont peut-être réagir de façon plus agressive dans d'autres... oui, merci Carl, un post-mortem sur la situation. Donc, si la personne a mal réagi, ben effectivement, il peut y avoir un sentiment de regret et peut-être de dépression si justement ça l'affecte sa relation
avec la personne dans sa vie. Est-ce que ça l'a bien expliqué? Là, je sais que la montagne, on l'a peut-être moins bien vue, mais les 5 slides expliquaient vraiment la courbe. Donc, le moment de crise étant le sommet de la montagne jusqu'à la dépression qui revenait à la normale, si on peut dire ainsi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce modèle-là qu'on vient de voir? Donc, encore là, l'objectif de ces événements-là, c'est vraiment de bien identifier les déclencheurs, comment le stress vient interagir ou peut-être augmenter le sentiment de colère chez certaines personnes et comment être en mesure de bien s'exprimer, de bien identifier les besoins qui en ressortent de la situation, qui n'ont pas été respectés, pour être en mesure de façon plus assertive. Ça, c'est un autre cours qu'on va voir un peu plus tard dans la série. Donc, ici, on est vraiment dans les bases de la compréhension, d'évaluation, des interactions que ça peut avoir, le stress, la colère chez les gens. Donc, ce qu'on veut retenir, effectivement, c'est ça n'existe pas, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup des yeux le prouvent. On va toujours ressentir de la colère. On ne peut pas arriver à un moment où on n'en aura jamais. Il suffit simplement de bien la canaliser à ce moment-là. La colère et les problèmes de santé mentale, le cerveau. Effectivement, il peut y avoir des liens, d'où pourquoi on dit si vraiment ça devient une problématique de santé mentale et est affectée, il ne faut pas avoir peur d'aller consulter le plus tôt possible. Donc, c'est pour ça, si on voit que ça devient notre seul recours de tout le temps utiliser la colère, on est souvent en colère, on le ressent beaucoup. Faut pas avoir peur d'aller rechercher les ressources à ce niveau-là. Donc, justement, faut pas oublier qu'il y a un lien entre la colère et le stress. J'en ai mentionné beaucoup. Il y a le modèle des capacités cognitives. Donc, oubliez pas justement l'interrelation que peut avoir la situation, nos pensées, nos réactions, nos émotions. Dans les situations. Et la montagne, j'espère que ça a été un peu mieux. Effectivement, j'ai vu Carl, il parle au niveau de l'amygdale du cerveau. Il peut y avoir des dérèglements à ce niveau-là, mais effectivement, les amygdales ont parlé que c'est le cerveau émotionnel de l'être humain. Donc, voici les références qu'on a utilisées pour la présentation. Bien sûr, c'est une présentation qui a été bâtie par Énergiser les forces. Juste avant de partir, on a deux petites questions à vous poser. Donc, Valérie, je t'attendais de les mettre en ligne. La première sur justement l'appréciation de la présentation. Et la deuxième va être sur l'appréciation du système d'EMIO. Est-ce que ça l'a bien répondu à vos attentes? Par la suite, s'il y en a qui ont encore des questions, je vais rester encore quelques temps en ligne pour ceux qui voudraient continuer un peu la discussion. Si vous n'avez pas fini de répondre aux questions, inquiétez-vous pas, ils sont toujours en banque. Vous avez juste à dérouler votre curseur sur les questions et vous allez pouvoir retrouver les questions qui ont été posées pendant la présentation et vous pouvez y répondre si ce n'est pas déjà fait.
Les prochaines présentations vont être toujours sur Connexion Fac. Ils arrivent tout le temps une semaine à l'avance. Donc, ça va toujours être moi et Valérie qui va faciliter, co-faciliter les quatre autres séances aussi. Ça fait plaisir. Donc, juste toujours aller sur Connexion Fac. Il apparaît juste une semaine à l'avance, malheureusement. Donc, c'est à chaque semaine, il faut aller consulter. Donc, je crois que ça va être probablement au courant de la semaine. Il faudrait voir s'ils sont déjà en ligne pour la semaine prochaine. S'il y a des gens que vous connaissez qui seraient intéressés, vous pouvez leur partager l'information. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Ah, Maxime répond que les webinaires, les prochaines inscriptions ne sont pas encore disponibles à ce niveau-là. Mais juste tenez-vous à l'affût, ils vont être disponibles comme vous avez fait pour vous inscrire à celui-ci. Les présentations vont être disponibles ultérieurement. Je ne sais pas s'ils ont déjà été partagés, tous les webinaires qui ont été faits. Je sais que ça s'en vient, je pense, sur une chaîne plus tard YouTube, sous toute réserve. C'est bon, Max? Tu peux parler. Oui. Est-ce que tu m'entends, Étienne? Oui, bonjour. Alors, s'il y a des gens encore à l'écoute présentement, juste pour répondre, pour amener quelques précisions sur la question de Véronique. En fait, les webinaires ne sont pas encore disponibles en différé, donc on ne peut pas les écouter par après. Ça va être disponible éventuellement. Donc, l'équipe d'Ottawa, l'équipe aux communications à Ottawa sont en train de planifier ça pour qu'on puisse réécouter les webinaires en différé. Donc, ça devrait se faire éventuellement, mais ce n'est pas encore opérationnel. Mais pour ce qui est des inscriptions, comme tu le disais, Étienne, oui, on peut s'inscrire là, au prochain webinaire. Je pense que la planification, généralement, là, l'horaire des webinaires sort bientôt. Donc, si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain que l'horaire va être disponible sur Connexion Fac. OK, Véronique, parfait. Je vois ta réponse. Là. Bien content que j'ai pu répondre à cette question. Merci, Étienne. Excellent. Donc, bonne journée à tous. Et espérons-le à la semaine prochaine.